من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mes chers frères, mes chères sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous souhaite un excellent vendredi. C'est le premier vendredi qu'on passe ensemble. J'espère que ça sera un vendredi béni. Le premier vendredi ensemble dans ce confinement, dans cette épreuve qu'on traverse tous ensemble. Donc j'espère que ça sera un vendredi où vos invocations seront exaucées. Profitez pour lire Sourate Al-Kahf. D'ailleurs, ça va être le thème de cet après-midi. Et puis de faire beaucoup de prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il mérite qu'on demande qu'Allah prie sur lui, puisque les prières d'Allah sont excellentes. On avait vu ce thème-là ensemble. Alors, vous savez, c'est important de comprendre Sourate Al-Kahf, puisqu'on la lit chaque vendredi. Et puis, Sourate Al-Kahf, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Quiconque lit Sourate Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière l'éclairera d'un vendredi à l'autre. » Et puis Allah sait très bien qu'on a besoin de la lumière d'Allah, celle qui nous éclaire, celle qui nous guide, celle qui nous rassure, celle qui nous apaise, celle qui nous accompagne. La lumière du Coran, c'est la plus belle des lumières. La lumière aussi des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une très belle lumière. La lumière de Rasulullah, sallallahu alayhi wassalam, c'est une très belle lumière. Et puis aussi, il y a la lumière de la communauté, celle où tout le monde est en force. Tout le monde apporte sa lumière et on est nour ala nour. On est tous lumière sur lumière. Chacun est merveilleux et merveilleuse. Chacun est unique, chacun contribue. Qu'Allah vous récompense pour votre attention, votre contribution, vos partages aussi. Ça, c'est important. Inch'Allah, partagez s'il vous plaît, partagez ce direct. Qu'Allah fasse qu'on soit les meilleurs de cette communauté. On traverse une période, c'est même pas une épreuve, c'est aussi une période, la période de trouble. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il arrivera une époque où ceux qui œuvreront, subhanallah, la période de trouble, auront la récompense de 50. Et les compagnons ont dit, ya Rasulallah, 50 hommes parmi nous, c'est-à-dire 50 compagnons, ou la récompense de 50 hommes de leur époque. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Non, chaque œuvre sera récompensée par la récompense de 50 compagnons qui œuvrent. » Allahu Akbar. Ça mérite justement qu'on reste unis, soudés. C'est vraiment l'objectif de ces lives chaque jour, de rester ensemble, unis, avec une foi ferme, avec un objectif ferme, bien précis, pour qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on soit, on en ressortant de cette épreuve de manière forte et avec une foi ancrée. S'il y a un terme que vous devez retenir avec moi, c'est bien la foi ancrée. Il va falloir ancrer notre foi. Un ancre, c'est quoi? C'est, vous savez, quand un bateau s'arrête, il est obligé de jeter l'ancre pour éviter que le bateau, mashallah, bouge. Eh bien, subhanallah, une foi ancrée, c'est aussi une foi stable où on jette l'ancre, c'est-à-dire qu'on décide volontairement et fermement d'avoir un objectif précis, c'est-à-dire que notre foi ne chavire pas, notre foi ne soit pas chamboulée par les vagues, et c'est une foi ferme et solide. Où que j'aille, à n'importe quelle épreuve, je serai fort et forte. Alors, sur tel cas, vous allez voir, subhanallah, tout le long, que si on la médite véritablement, eh bien c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le confinement. Alors, c'est une sourate qu'on va tirer tous ensemble les enseignements de vendredi à vendredi. Qu'Allah me permette de terminer tous les enseignements de Sourate Al-Kahf. Et vous allez voir, subhanallah, qu'elle est magnifique. Et quand on la lit, parfois on passe à côté de pas mal de choses. Et en préparant, subhanallah, et en méditant cette sourate, je me suis aperçue qu'en fait, elle s'adapte à la situation actuelle. Alors, Sourate Al-Kahf, la
sourate de la caverne et non de la grotte, parce qu'en fait il y a une différence en langue arabe entre el-kahf ou el-ghar. El-ghar, c'est un trou dans une montagne, mais un petit trou, comme Ghar Hira, quand le prophète s'est réfugié avant même de recevoir la révélation. Et el-kahf, c'est un trou dans une grotte, mais un trou large, vaste. Voilà la différence entre Ghar Hira et el-kahf, la caverne des gens de la grotte. Alors certains peut-être vont se poser la question, combien étaient-ils, qui était leur chien, comment ils s'appelaient, etc. Vous savez, Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu nous donner le nombre. Okay. Il n'a pas voulu nous dire comment était le chien, etc. Ce sont des détails et la sagesse d'Allah veut que ce sont des informations qui ne sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est de se concentrer, subhanallah, sur les enseignements, les leçons de sagesse de Sourate Al-Kahf. N'oubliez pas, je l'ai dit hier dans Al-Basmala, le verset de Sourate Al-Isra, le verset 82. Allah nous dit « Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin » et nous faisons descendre le livre noble, Al-Qur'an, en tant que grâce et en tant que guérison. Pour qui ? Pour les croyants, pour les véritables croyants. Et vous allez voir, subhanallah, que dans Sourate Al-Kahf, nous allons voir que c'est un moyen de guérison et c'est une rahma pour nous à l'heure actuelle dans notre épreuve dans laquelle on est confiné. Dans Sourate Al-Kahf, le verset 13, Allah Azza wa Jalla nous dit « Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan » Nous te racontons leur histoire en toute vérité. Nous allons te donner les détails de l'histoire des compagnons de la caverne. Pardon. C'était des jeunes qui ont cru véritablement en leur Seigneur et nous les avons encore plus guidés. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Ce qui, mashallah, embellit le Coran, c'est lorsque Allah Azza wa Jal nous raconte des histoires. Alors des histoires non pas pour raconter un roman, mais des histoires pour justement en tirer des leçons, des enseignements qui puissent nous guider comme des phares dans notre vie. Allah nous dit, je répète, nous te racontons leur histoire en toute vérité. C'était des jeunes qui ont cru véritablement en leur Seigneur. Ils avaient la foi. Ces jeunes avaient cette particularité, c'est qu'ils avaient la foi. Et nous les avons encore plus guidés. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset ? C'était des jeunes, un groupe de jeunes. Comme nous actuellement, on a un groupe de communauté, de la communauté. On se fait le rappel, on partage le rappel, on est ensemble. L'union fait la force. Et nous les avons encore plus guidés. Ils avaient une foi ferme, une foi solide, subhanallah. Et parce qu'ils étaient fermes dans leur foi, qu'Allah les a encore plus guidés. C'est ce qui nous manque parfois, la fermeté dans la foi, la fermeté dans les versets, la fermeté dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Être ferme, avoir un objectif ferme dans la vie. Allah Azza wa Jal nous dit aussi, par rapport à surat Yusuf, l'histoire de Yusuf, le verset 111, pardon, « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » Et il y a dans leur histoire, l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam, avec ses parents, avec ses frères, une leçon de sagesse pour les doués d'intelligence, c'est-à-dire pour ceux qui cherchent à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à se concentrer justement aussi sur le sens de chaque verset. C'est bien d'apprendre le Coran, mais il est nécessaire et obligatoire aussi de méditer et d'appliquer les versets qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélés. Donc c'était des jeunes pleins de courage, vous allez voir pourquoi. C'était des jeunes qui étaient à la recherche de la vérité de l'unicité d'Allah, la vérité de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Ils étaient aussi pleins de foi, pleins de confiance en leur Seigneur. Et il est important aussi de comprendre que la foi, elle augmente. C'est pour ça qu'Allah les a encore plus guidés. Elle augmente avec l'obéissance et la foi baisse avec la désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Donc ceux qui se posent la question « ma foi a baissé », il va falloir peut-être chercher quelque part
dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes, dans notre manière d'être, dans notre comportement, s'il y a quelque chose qui se répète, s'il y a quelque chose qu'on a fait et qui était de l'ordre du péché. Une erreur volontaire ou involontaire, il va falloir se corriger. C'est pour ça qu'il est important de se remettre en question. Et celui, subhanallah, qui se soumet à Allah Azza wa Jal entièrement, avec humilité, avec sagesse, tout en considérant le Seigneur, tout en considérant sa majesté, on verra inshallah à la suite de Sourate al-Fatiha l'important justement de cette sourate, puisqu'elle elle met en avant la majesté d'Allah Azza wa Jal. Allah l'élève et Allah raffermit la foi, celui qui se soumet entièrement, puisqu'Allah a dit wazidnahum huda, ils avaient une foi ferme. Et subhanallah, c'était des jeunes, en fait, un petit nombre de jeunes, et qui s'étaient rendus auprès du roi, qui était mushrik, donc qui associait, ils avaient des divinités, ils adoraient leurs divinités, et ça ne les a pas empêchés justement de clamer leur foi et d'appeler à la foi. Allah nous dit dans le verset 14 de Sourate Al-Kahf, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Et nous avons renforcé leur cœur par la patience, la détermination et la conviction lorsqu'ils se sont levés pour dire au roi: notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais une autre divinité autre que lui. Si on invoque autre que lui, nous serons dans un très grand égarement. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit « وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ » Rabata, ça veut dire « faire un nœud ». Si on donne le sens justement de rabata, ça signifie « et nous avons renforcé le cœur par la patience, la détermination et la conviction ». Donc, celui qui a la foi véritable, qui répond aux lois d'Allah Azza wa Jal. Reprenez dans le Coran « al-mu'minin »« qad aflah al-mu'minun » par exemple, dans Sourate al-mu'minun, qui sont les croyants qui ont véritablement réussi. Allah me permet justement peut-être de revenir un jour sur cette sourate. Et nous avons renforcé leur cœur par la patience, la détermination et la conviction lorsqu'ils se sont levés pour dire: notre Seigneur, Rabbuna, est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais une autre divinité que lui. Si on invoque autre que lui, nous serons dans un très grand égarement. Ils avaient une foi ferme, ils étaient convaincus et ils étaient aussi fiers de leur foi. Ils étaient tellement fiers d'adorer Allah Azza wa Jal qu'ils se sont levés pour exprimer leur foi. Et c'était aussi des jeunes, subhanallah, qui étaient dans la méditation des cieux et de la terre, et je vais y revenir inshallah. Parce que celui qui médite les cieux et la terre va s'apercevoir qu'Allah est unique. Qu'Allah, quand il porte les 99 noms que le prophète alayhi salatu salam nous a enseignés, eh bien, il ressent l'unicité d'Allah. Sa foi augmente, sa foi se stabilise, sa foi s'ancre dans le cœur. Et le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il est arrivé, il a mis un terme au statut. Ce que là où j'aimerais justement attirer votre attention, c'est que parfois Allah Azza wa Jal mentionne shirk fil Qur'an par rapport aux peuples qui nous ont précédés. Mais il faut savoir que il y a une autre forme de shirk, celle qui nous guette tout le temps, c'est le shirk caché, l'association à Dieu de manière cachée. Donc le prophète alayhi salam est venu mettre un terme au statut. Et lorsqu'il est venu mettre un terme au statut, il nous a parlé de quelque chose. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu salam nous dit: inna akhwafa ma akhafu ala ummati ash-shirk billah. Ama inni lastu aqulu ya'buduna shamsan wala qamaran wala wathanan walakin a'malan li ghayri Allah wa shahwatan khafiyyah.
Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, ce n'est pas qu'elle associe Allah Azawajal. Je ne dis pas qu'ils vont adorer le soleil, la lune ou les statues, mais ils accompliront des œuvres non vouées à Allah et suivront des passions cachées. Alors justement, je voulais faire un petit peu le lien par rapport aux compagnons de la caverne. Ils avaient une foi ferme, ils avaient une foi fixe, ancrée, ils étaient vraiment convaincus et ils étaient dans la méditation des cieux et de la terre. Ils étaient en connexion avec Allah Azzawajal et ils étaient aussi en connexion avec leurs œuvres sur terre. Puisque la foi, justement, Allah Azzawajal, ça implique aussi de mettre en pratique sa foi. Alladhina amanu wa amilu salihat. Allah nous dit ceux qui portent la foi dans leur cœur et manifestent leur foi par des bonnes actions sincères. Je répète, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est qu'elle associe à Allah. Le prophète, alayhi salatu salam, nous dit, partagez s'il vous plaît le live, partagez, c'est très très important, ça parle de la foi, ça parle des compagnons de la grotte, de Sourate al-Kahf, les enseignements de Sourate al-Kahf. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est le shirk. Alors, le prophète, alayhi salatu salam, il s'adresse à qui? À sa propre communauté. Et il est en train de nous mettre en garde, d'appuyer sur les warnings et nous dire « Attention, restez vigilants. Je ne dis pas qu'ils vont adorer le soleil, la lune ou les statues. Je ne dis pas qu'ils vont se mettre à adorer ce qui était adoré auparavant. Soleil, statue, lune. Mais ils vont accomplir des œuvres non vouées à Allah. Ils seront dans l'ostentation. Je fais pour qu'on dise que... un tel a fait. Et le prophète alayhi salam nous a dit, trois personnes bien précises seront les premières à aller en enfer de ma communauté. Celui qui fait sadaqa pour dire qu'il a donné, qu'il a fait une aumône. Celui qui lit le Coran pour qu'on dise, mashallah, il avait une très belle voix. Et celui aussi qui est parti au djihad pour qu'on dise que, mashallah, c'était un combattant, il a eu le courage d'aller faire la guerre. Mais ils accompliront des œuvres non vouées à Allah et suivront des passions cachées. Et je pense que dans Surat al-Kahf, le message qu'Allah a voulu nous dire chaque vendredi, c'est d'être vigilant face à ces passions cachées, l'orgueil, se croire supérieur à l'autre, mieux que l'autre, ne pas accepter la vérité. D'accord, ça arrive, ne pas accepter toute forme de vérité. Il y a aussi l'ostentation, le hadith que je viens de citer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire regarde ce que je fais, ça n'est pas voué pour Allah. Et puis aussi, et subhanallah, ça arrive à tout le monde, hein. Ça peut arriver à tout le monde, mais il va falloir être vigilant, c'est aussi les maladies du cœur. C'est de croire que, par exemple, c'est grâce aux médecins que j'ai pu échapper à la maladie. C'est grâce à mon Doliprane que mon mal de tête est parti. C'est grâce à mon antibiotique que j'ai pu échapper à la grippe. C'est grâce, par exemple, à un tel qui m'a donné ce conseil que j'ai pu être vigilant. C'est grâce à Darifton, non. C'est grâce à... Non, c'est grâce uniquement à Allah. Il faut revenir à la source. Ils avaient une foi ancrée et ils ont compris que tout venait par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit « Wazidnahum hudan » et nous les avons encore plus guidés parce que leur foi était vraie, leur foi était sincère, leur foi était stable. Il est important justement d'être en connexion avec le ciel, c'est-à-dire avec Allah Azza wa Jal, et puis d'être en connexion avec la terre, puisque Allah Azza wa Jal nous dit فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et il faut le dire, subhanallah, رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Et quand on médite ce verset, on se dit, mais quand on parle des cieux en fait, on se projette dans l'au-delà. On se projette vers le paradis, on se projette vers l'enfer, on se projette vers la rencontre d'Allah. On est en connexion avec l'au-delà, c'est-à-dire avec le jour du jugement, je vais devoir rendre des comptes. Donc ils étaient en connexion avec les cieux. Et Allah dit « Rabbuna Rabbu Samawati wal Ard ». Et puisqu'ils étaient tournés vers le ciel, vers Allah Azza wa Jal, eh bien, subhanallah, leur foi était ancrée.
Pourquoi? Parce que quand on est en lien avec Allah, al-muraqaba, c'est-à-dire ressentir qu'Allah nous observe, d'où le nom d'Allah, al-raqib, celui qui observe tout. Et quand Allah observe, il observe de manière parfaite. Nous, on peut observer quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, dans son intention. Peut-être que l'acte qu'il a fait, subhanallah, c'était, nous, ça nous paraît un acte mauvais, mais peut-être que lui, il l'a fait avec une bonne intention. Donc, al-raqib, c'est Allah, et il va falloir garder cette muraqaba, c'est-à-dire observer Allah et d'être dans l'ihsan. Et ils étaient, subhanallah, dans l'ihsan, c'est-à-dire que leur foi était excellente. Ils œuvraient avec le regard d'Allah. Ils avaient compris qu'Allah les regardait, qu'Allah les voyait, qu'Allah attendait quelque chose d'eux. Et Allah Azzawajal nous dit, pour renforcer ce que je suis en train de dire, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart des croyants en Allah sont des associés. Bien, vous savez, subhanallah, quand j'ai lu et relu ce verset, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je répète. Et la plupart des croyants en Allah sont des associés. Et subhanallah, là, il va falloir sonner la sonnette d'alarme, la sonnette d'alarme. Allah Azza wa Jal nous dit, la plupart de ceux qui croient en moi sont des associés. Il y a shirk al-kabir, le shirk, l'association de manière claire. Et ça, on l'a dépassé. Ça n'est pas ce qui concerne notre communauté. Mais ce qui nous concerne, ce sont les actes non voués à Allah, c'est-à-dire l'ostentation, et des actes aussi qui suivent nos passions. La passion de la colère, la passion de la tristesse, la passion du bas monde, la passion de l'argent, la passion, toute forme d'addiction, la dépendance affective, la dépendance aux parents, la dépendance aux enfants, la dépendance aux conjoints, avoir peur du lendemain, rester toujours sur le passé, le mensonge, la calomnie, l'injustice. Tout ça, ce sont des passions, tout ce qui nous détourne d'Allah, tout ce qu'on aime, et qui nous détourne en même temps d'Allah Azza wa Jal, ses passions. Al-shahawat. Ittiba' al-shahawat. Et il y a des passions cachées. Il va falloir être vigilant. Est-ce que dans mon comportement, dans ce que je dis, dans ce que j'entends, dans ce que je regarde, dans ce que je fais, là où je vais, subhanallah, est-ce que c'est conforme à Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc vous voyez que les enseignements de Sourate Al-Kahf concernant ses compagnons, c'est l'ancrage de la foi. Et c'est un des objectifs de ces lives, ancrer la foi. On n'est pas là pour justement consommer des rappels. Consommer le rappel de tel frère, tel frère, tel frère, tel frère, machallah, qui font un boulot magnifique. On est là pour écouter et j'en tire une leçon ou deux. Ah tiens, ça je l'ai bien compris. Il faut que je le maîtrise et je le mette en pratique. Au moins un ou deux points. Une ou deux leçons à mettre en pratique. Et les jeunes de la caverne, subhanallah, ils étaient connectés aux cieux et à la terre. Ils étaient connectés, leur cœur était auprès d'Allah. Leur cœur trouvait sa source de lumière auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans le nom d'Allah An-Nur, vous allez y trouver, inshallah, le verset de Sourate An-Nur où je parle justement du cœur du croyant Kamishkatin fiha zujaja, az-zujaja ka'annaha kawkabun durri. Donc le cœur du croyant, c'est comme un astre qui illumine de manière éblouissante son quotidien. Le cœur du croyant doit être connecté à Allah Azza wa Jal. Dans l'exemple qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, il a parlé aussi de l'olivier. Donc l'olivier, il est ancré. Si vous regardez bien un olivier, subhanallah, c'est quand vous voyez le tronc, machallah, on sent que c'est solide. Le croyant, il est ancré. D'accord ? Il est ancré. Sa foi, elle est ancrée. Son corps, il œuvre pour Allah Azza wa Jal. Son corps, il est béni parce qu'il est soumis et il baigne dans les actes d'adoration voués uniquement à Allah. Et pour qu'un croyant soit solide et ferme, son cœur doit être
être toujours en lien, en relation avec Allah. Ma salat, dans ma prière, je dois être connectée avec mon Seigneur. Dans ma sadaqa, je suis connectée avec mon Seigneur. Dans le live actuel, je suis connectée aussi à mon Seigneur. Je mets l'intention que je suis là pour écouter pour Allah et en tirer des enseignements. Dans ma famille, je suis connectée à mon Seigneur. Dans ce que je dis, je suis connectée à Allah. Je suis toujours en lien avec Allah. Dans ce que je fais, dans ce que je partage aussi, s'il vous plaît. Ne partagez pas des informations qui ne sont pas vérifiées. On peut ramasser des péchés quand on le fait, subhanallah. Vérifiez vos partages. Il y a des bons partages, mais il y a des partages qui ne sont pas utiles. Et Allah Azza wa Jal, on a parlé dans Surat al-Mu'minun, الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ, ceux qui s'éloignent des propos futiles. Et wallah, parfois il y a des propos futiles sur Facebook, sur Instagram, dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont inutiles, futiles. Et nous, on partage parce que c'est trop facile d'appuyer, de cliquer, d'envoyer. On aura une responsabilité. Toute la chaîne qui va suivre, vous serez responsable, on sera tous responsables. Le confinement, c'est la réforme. Le confinement, c'est une foi confinée, ancrée, stable, qui dure dans le temps. Et puis, subhanallah, ses compagnons de la caverne, ils étaient en lien donc avec les cieux, ils étaient en lien toujours pour se remettre en question et de se dire « je vais rendre des comptes ». Rabbuna, notre Seigneur, c'est le maître des cieux et de la terre. Et ils étaient dans la méditation des cieux, subhanallah. Les cieux, c'est symbole de l'âme qui revient auprès d'Allah. Les cieux, c'est symbole du jour du jugement. Les cieux, subhanallah, c'est symbole, eh bien, de l'enfer et du paradis, du pont Sirat. Les cieux, c'est le symbole aussi de la rencontre avec les prophètes et les messagers. Les cieux, c'est le symbole aussi du paradis. Les cieux, subhanallah, c'est le symbole, le merveilleux symbole de la rencontre avec Allah. Leur souci, c'était comment je vais rencontrer mon Seigneur. Est-ce que je vais pouvoir le voir le jour, après le jour du jugement? Et subhanallah, ils s'étaient connectés à la terre parce qu'ils ont compris que leur âme était une amana. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. Et nous avons proposé l'amana aux cieux et à la terre, et les cieux et la terre ont refusé. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ, et c'est l'homme qui a préféré porter cette amana. L'amana, c'est quoi? C'est la foi. C'est l'âme que je dois purifier constamment. C'est mon cœur que je dois purifier de ses péchés. C'est ça l'amana. J'ai une responsabilité. Mon âme est une amana. Ce que je dis, ce que je fais, comment j'agis, eh bien, c'est une responsabilité. Et puis, subhanallah, c'était des jeunes compagnons qui œuvraient sincèrement. Parce que parfois, on peut œuvrer de manière bonne, d'accord, faire une aumône, si l'ostentation entre dans mon acte d'adoration alors qu'il est bon, eh bien, je peux l'annuler avec un manque de sincérité, c'est-à-dire je fais pour qu'on dise, pour avoir les projecteurs, et non pour avoir la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit dans Sourate At-Talaq, le verset 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah a créé sept cieux de la même façon que pour la terre. L'ordre descend entre les cieux et la terre pour que vous sachiez qu'Allah est capable et parfaitement capable de toute chose, et certes Allah enveloppe toute chose par sa parfaite connaissance. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Allah a créé les sept cieux et la même chose pour la terre. L'ordre descend entre les cieux et la terre pour que vous sachiez. Tout ordre qui descend d'Allah Azza wa Jal par sa volonté, par sa décision, c'est pour une chose, pour que vous sachiez parfaitement qu'Allah est capable de toute chose, et certes Allah enveloppe toute chose par sa parfaite connaissance. Dans l'ancrage de la foi, il faut être convaincu d'une chose, c'est qu'Allah est parfaitement capable
d'une chose, il est parfaitement capable d'envoyer ce coronavirus. Et certes, Allah enveloppe toute chose par sa parfaite connaissance. Et Allah, il connaît notre état. Il sait qu'on traverse cette épreuve. Et pour celui qui recherche justement la compagnie d'Allah, la remise en question, Allah est parfaitement au courant. Dans Sourate An-Nisa, le verset 27, Allah nous dit « Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima » En parlant des shahawat qui font obstacle à la foi, regardez, subhanallah, les jeunes de la caverne, leur foi était ferme, leur foi était tellement ferme et solide, ils étaient en groupe, et c'est ça qui aussi permet justement d'avoir une foi solide, comme nous là, mashallah, cet après-midi et chaque après-midi les lives du 15h sur Darifton. Eh bien, c'est pour aussi raffermir chacun sa foi, mais tous ensemble. Allah nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Le repentir face au shirk khafi, face à nos péchés. Il veut que ceux qui suivent leur passion, qu'ils délaissent totalement et fermement leur passion. C'est-à-dire qu'ils font un virage à 360 degrés. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jal nous dit, vous pouvez être dans le shirk al-khafi, vous pouvez vous détourner d'Allah, vous pouvez commettre des péchés de manière volontaire ou involontaire. Mais sachez que dans Sourate An-Nisa, le verset 27, Allah nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Allah, du haut de ses 7 cieux, il entend parfaitement, il est au courant de tout ce qu'on fait de manière parfaite. Et Allah Azza wa Jal nous ouvre la porte du repentir et il nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir. C'est pas magnifique le mot accueillir, subhanallah. C'est-à-dire que Allah sait très bien qu'on fait des erreurs. Il est tellement bienveillant, il est tellement dans la rahma qu'il attend qu'on revienne. Il attend qu'on revienne. C'est à nous de revenir vers Allah Azza wa Jal et d'être en harmonie avec nous-mêmes. Ne pas se faire du mal et revenir auprès d'Allah. Et Allah ajoute et veut que ceux qui suivent leurs passions, donc Allah est au courant qu'on suit nos passions, qu'ils délaissent totalement et fermement leurs passions. Pour délaisser, que ce soit la cigarette, ne pas faire la prière, ne pas se lever au fajr, ni faire les prières à l'heure, on sait très bien, au moment où je vous parle, il y a des films qui sont en train de tourner, le passage de, vous savez très bien, subhanallah, que ça ne va pas, là il y a des manquements, là il y a des négligences, là c'est le refus total d'obéir à Allah Azza wa Jal. Il y a des choses là, subhanallah, le cœur est en train de parler, la raison, les deux sont en train de parler, vous savez très bien là où ça ne va pas, chacun le sait, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Balil insanu ala nafsihi basira » l'être humain, il a la clairvoyance sur lui-même. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, même s'il évoque des excuses, même s'il apporte d'autres excuses pour se voiler la face. Allah Azza wa Jal nous a créés avec la clairvoyance sur nous-mêmes pour se remettre en question parce qu'il nous a créés de manière excellente et parfaite. Et Allah veut accueillir votre repentir et veut que ceux qui suivent leur passion, qu'ils délaissent totalement et fermement leur passion, qu'ils fassent un virage à 360 degrés. Il faut être ferme dans notre volonté d'arrêter ce qui nous nuit, ce qui est injuste envers nous-mêmes. Il est important aujourd'hui de revenir à la justesse, de revenir à la bienveillance vis-à-vis de notre âme. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 15 qui suit de Surat Al-Kahf, هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Allah nous dit dans le verset 15 de Surat Al-Kahf, regardez subhanallah le dialogue qu'ils ont eu entre eux ensemble, mashallah. Voici notre peuple qui a adoré une divinité autre qu'Allah. Si seulement ils avaient une preuve évidente de leur croyance à ces divinités. Mais le plus injuste est celui qui ment au sujet d'Allah.
qu'est-ce qu'il nous dit, ses compagnons? Voici notre peuple. Ha'ulai qawmuna. C'était qui ce qawmuna? C'était le peuple qui adorait et qui associait à Allah Azza wa Jal. Regardez la rahma qu'ils ont eue vis-à-vis de ce peuple, de leur peuple. Ils disent qawmuna. C'est-à-dire que même si la personne, elle est dans l'égarement, cette personne, elle fait du shirk, elle associe quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, ne te détourne pas d'elle. Considère-la comme ton frère, comme ta sœur en humanité. Ha'ulai qawmuna. C'est qui parle? C'est Allah. Fait le Coran al-Karim, le Coran noble. Allah nous dit, ils ont dit ha'ulai qawmuna. Ils faisaient partie de leur peuple et leur peuple ne... étaient justement dans la non, enfin dans le shirk, dans l'association, mais ils n'ont pas rejeté leur peuple. Donc vous voyez que on ne peut pas cohabiter de manière séparée. On doit cohabiter avec son cœur, avec l'autre, accepter l'autre. Ça c'est avec le mushrikine. Alors qu'en est-il, subhanallah, dans nos foyers, dans la communauté? Je sais que c'est très difficile en ce moment dans les foyers. De rester tous ensemble tous les jours, de ne pas pouvoir sortir que pour les courses ou pour des raisons de santé. Ça n'est pas évident, subhanallah, il y a de plus en plus apparemment de conflits. Eh bien, justement, j'en ai profité dans Sourate Al-Kahf, vous allez voir, subhanallah, que si on médite réellement, que si on fait un virage à 360 degrés auprès d'Allah, eh bien, Allah Azza wa Jal, vous allez voir, après Tawbah, le repentir sincère, eh bien, Allah Azza wa Jal fera descendre sa rahma. Donc ces jeunes ont dit, si seulement ils avaient une preuve évidente. Vous voyez le rahma qu'ils ont eu. Ils ont eu de la peine et de la pitié par rapport à ce peuple qui était égaré, mais le plus injuste est celui qui ment au sujet d'Allah, celui qui est dans le shirk. Alors je ne parle pas du grand shirk, hein, du shirk manifeste, mais du shirk caché qui n'est pas apparent. Et bien là on est dans le mensonge vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas Allah quand on est dans l'ostentation, dans l'orgueil. On se détourne d'Allah comme si on rejetait à ce moment-là notre Seigneur. Allah ajoute « وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا » Allah nous dit « Et lorsque vous vous retirez d'eux, donc lorsque vous vous êtes éloignés d'eux, pour vous éloigner de leur adoration, de leur shirk. Alors je reprends. Et lorsque vous vous retirez d'eux pour vous éloigner de leur adoration, votre adoration d'Allah continue. Alors trouvez refuge dans la caverne, votre Seigneur répandra sur vous sa grâce et il préparera pour vous ce sur quoi vous allez vous appuyer. Regardez le dialogue qu'ils avaient entre eux. Allah nous rapporte leurs propos. Lorsque vous vous retirez d'eux, lorsque ce groupe de jeunes s'est retiré justement de ce peuple qui était dans le shirk, pour vous éloigner de leur adoration, votre adoration d'Allah continue. Donc on s'éloigne, mais l'adoration d'Allah continue. Là, on s'est retiré de nos activités, mais l'adoration d'Allah Azza wa Jal continue. Alors, vous trouvez refuge dans la caverne. Ils vont trouver refuge dans leur caverne, dans la caverne. Subhanallah, comme nous, en ce moment, on est dans une caverne, non? En ce moment, on est dans notre caverne. Faisons justement de notre foyer, de notre maison, de notre appartement, une caverne. Et regardez la suite. Alors, votre Seigneur répandra sur vous sa grâce et il préparera pour vous ce sur quoi vous vous appuierez. Subhanallah, qu'est-ce que ce verset nous dit? Détourne-toi du bas monde, puisque ça fait partie du shirk al-khafi, c'est-à-dire tout ce qui t'amène à une addiction, à une dépendance, au fait de te détourner d'Allah. Trouve refuge dans ta caverne, trouve refuge chez toi. Donc, ton domicile doit être un refuge où tu vas te retrouver avec Allah, Azza wa Jal, avec les tiens. Ils vont être confinés en groupe, subhanallah, ils étaient confinés dans leur caverne. Et puis l'un d'eux ajoute, votre Seigneur répandra sur vous sa grâce. Donc celui qui a une foi ferme, solide, regardez comment Allah le guide. Wazidnahum hudan. Allah a guidé leur raison. Allah a guidé leur cœur, subhanallah. Et puis ils étaient convaincus que la grâce d'Allah allait descendre.
Bismillahir Rahman Rahim, avec l'aide d'Allah le miséricordieux. Il préparera pour vous ce sur quoi vous allez vous appuyer. Et subhanallah, celui qui est à la fois convaincu, ferme, solide et ancré, trouvera toujours un refuge chez lui, ça sera un havre de paix. Et il sera convaincu que la rahma d'Allah va descendre et Allah fera en sorte qu'on puisse s'appuyer, par exemple sur les lives qui sont une rahma, le fait qu'on soit en groupe, mashallah, c'est international, on l'a vu hier après-midi. Et puis Allah Azza wa Jal fera en sorte de nous aider, de nous accompagner pour que notre tawakkul soit ferme, pour qu'on puisse vivre notre foi et faire confiance en Allah Azza wa Jal de manière ferme comme les compagnons de la caverne. Il y avait un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, s'il vous plaît, partagez bien ce live, que tout le monde puisse en profiter. Uqba ibn Amr a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai dit, ya Rasulullah, qu'est-ce qui peut me sauver? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, retiens ta langue, que ta maison soit ton refuge, et pleure pour tes erreurs. Je répète, j'ai dit, ya Rasulallah, le compagnon Uqba ibn Amir radiallahu anhu, j'ai dit, ya Rasulallah, qu'est-ce qui peut me sauver? Il lui dit, retiens ta langue de dire des choses qui peuvent critiquer l'autre, mépriser l'autre, rejeter l'autre, te détourner de l'autre, que ce soit dans ton foyer, que ce soit à l'extérieur, que ta maison soit ton refuge, trouve la paix chez toi et pleure pour tes erreurs. Subhanallah, quand je suis tombée sur ce hadith, je me suis dit, regardez, subhanallah, ça tombe à pic avec ce qu'on est en train de vivre. Et il dit à ce compagnon, pour que tu te sauves, pour que tu sauves ton âme du feu de l'enfer, pour que tu puisses vivre heureux, retiens bien ta langue. Et subhanallah, les dégâts qu'on peut causer viennent principalement au début de la langue. Mais la langue, c'est un soldat de notre corps, c'est le cœur. S'il est pur et purifié, la langue dira des choses bonnes. Allah Azza wa Jal va élever la bonne parole à condition qu'elle vienne d'un cœur bon. Et la bonne parole ne vient que d'un cœur pur qui souhaite que le meilleur pour l'autre. Retiens ta langue de dire le mensonge, de dire des choses contraires à ma sunna. Et que ta maison soit ton refuge, développe une stratégie pour que ta maison soit un havre de paix et pleure pour tes erreurs, regrette tes erreurs passées. Il lui dit, pleure, wabki ala khati'atik, et pleure pour tes erreurs, regrette amèrement et fermement tes erreurs du passé. Et le confinement doit servir à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un moyen de vivre le jour, mais c'est un moyen de se projeter dans l'avenir tout en se purifiant du passé. Et les compagnons, subhanallah, de la caverne, ils étaient aussi avec leur foi dans cette caverne, subhanallah. Ils ont exprimé la vérité face au roi qui a rejeté la vérité. Ils vont se confiner eux-mêmes pour vivre leur foi. Et Allah Azza wa Jal va se charger d'eux. Il va faire descendre sa rahma. Et quelle est la rahma qu'Allah va descendre sur eux? Ça va être le soleil. Puisqu'Allah dans le verset 17 nous dit « وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et tu vois le soleil lorsqu'il se lève au moment du shuruq, rendre visite à leur caverne, c'est-à-dire tazawaru ziyara. Le soleil venait leur rendre visite. Regardez, subhanallah, le terme qu'Allah emploie. Je répète. Et tu vois le soleil lorsqu'il se lève, rendre visite à leur caverne en se déplaçant par la droite de la caverne. Et lorsque le soleil se couche par la gauche de la caverne, c'est pour s'éloigner et les laisser. Alors qu'ils sont dans un espace de la caverne, ceci fait partie des signes d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous dire concernant le soleil?
Eh bien, vous voyez, subhanallah, le soleil qui est à ma gauche, donc à ma gauche à moi, peut-être à votre droite à vous. Je suis en train de recevoir les rayons du soleil. Le soleil est en train de me réchauffer. Et n'oubliez pas, subhanallah, on y reviendra un petit peu plus tard parce que je fais qu'une seule partie de Sourate Al-Kahf, qu'ils ont vécu quand même 3 siècles là, dans ce confinement. Nous, on ne sait pas combien de jours, j'espère, combien de semaines, pas de siècles, mais combien de semaines on va vivre dans ce confinement. Il va falloir se préparer, hein, subhanallah. Allah nous dit, ils ont vécu une longue durée. Alors on se prépare nous aussi, peut-être que ça va être une longue durée, ça va être des semaines. Allah nous facilite ce confinement. Et lorsque Allah Azzawajal nous parle du soleil, il nous dit que les rayons du soleil ne les atteignaient pas. Alors le soleil, moi, il est en train de se déplacer, c'est une question de minutes, d'accord? Mais 300 ans, le soleil peut dégrader leur corps, il peut détériorer leurs vêtements, etc. Et Allah Azza wa Jal a donné l'ordre au soleil de se déplacer sans rayon. Allah va changer, va modifier la loi universelle du soleil et des rayons par un soleil sans rayons. Ça signifie quoi? Qu'Allah est capable de toutes choses et il a modifié notre quotidien. On est passé d'un quotidien où on était dans les activités. On allait à l'école, on allait au collège, on allait au lycée, on allait à la faculté, on allait au travail. On sortait pour faire nos courses de manière régulière, on se rendait visite. On pouvait rendre visite à nos malades avant de mourir, etc. Allah a décidé, comme il a décidé pour le soleil de Ashab al-Kahf, des compagnons de la caverne, d'arrêter de briller par les rayons, comme il a arrêté nos activités pour qu'on reste confinés. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran wa subhanallah bukratan wa asila, c'est merveilleux. J'ai dit subhanallah, regardez, quand le Coran est valable à tout moment, à toute époque, et il parle à chacun. Et là, il est en train de parler à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il est en train de parler à la communauté internationale dans l'humanité. Allah a stoppé à l'échelle internationale et mondiale toute forme d'activité. On allait à la mosquée, on ne peut plus aller à la mosquée. Al-Jumu'a, l'imam ne peut plus monter sur le minbar. Al-Jumu'a, les fidèles ne peuvent plus aller se rendre à la mosquée, faire sadaqa, prier ensemble, échanger, se revoir, on ne peut plus le faire. Ceux qui voulaient faire leur umra ne peuvent plus. Peut-être le hajj aussi, on ne pourra pas le faire cette année. Alors, Allah nous dit qu'il est capable de toute chose, qu'il peut changer une loi universelle, une habitude quotidienne, parce qu'il est capable de toute chose. Inna Allah li'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. L'ordre descend d'Allah et il est descendu avec le corona pour nous dire quoi? Qu'Allah était parfaitement capable de toute chose. Dhalika min ayatillah. Voici les signes d'Allah. Le corona est un signe d'Allah pour dire Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Et c'est lui qui a décidé que la loi allait changer. Ça nous appelle à faire preuve d'humilité. À revenir à Allah. Allahumma inni tubtu ilayk. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, tu es afou, tu pardonnes totalement. Et tu aimes par-dessus tout pardonner totalement. Alors pardonne à nos parents, à nos frères et sœurs, à la communauté. Pardonne à ceux qui nous sont précédés. Pardonne à ceux qui viennent de décéder. Eh bien, Ya Allah, tu es celui qui pardonne entièrement. Pardonne-nous, on s'est trompé. On a pris peut-être le mauvais chemin parfois. On a oublié de se purifier de certains péchés parce qu'il y a des choses là, subhanallah, on verra dans Salat aussi par rapport au confinement. J'essaie vraiment de faire en sorte que mes rappels soient en lien avec le confinement, soient en lien avec l'épreuve du corona. Vous allez voir, inshallah, même dans Salat, il y a des versets vraiment qui interpellent. Allah Azza wa Jal va donner l'ordre que
que le lever du soleil et que le coucher du soleil se fassent sans rayon. Comme nous, subhanallah, le lever du soleil et le coucher du soleil se fassent sans nos activités. Et celui qui a créé justement ces lois universelles est capable de retourner la situation, comme il est capable de retourner les cœurs, dans le bon sens ou le mauvais sens. C'est à nous de choisir la direction. Ya muqallib al-qulub, ça a été la doua la plus citée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, invoquée par Rasulullah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis, renforce mon cœur face à ton obéissance ala dinik. Din, c'est quoi? C'est se soumettre à Allah, c'est obéir à notre Seigneur. Allah avait préservé leur corps, ok. Et puis peut-être Allah, et sûrement, Allah aussi préserve notre foi, c'est une épreuve, d'accord. Mais Allah veut préserver aussi notre foi, c'est-à-dire qu'on revienne à la source, à l'essentiel, pour rester sur le droit chemin. Allah nous dit « Man yahdi Allah fahwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida » Quiconque Allah guide vers ses signes, sera véritablement guidé, et quiconque se détourne des signes d'Allah sera perdu et aveuglé, et personne d'autre ne pourra l'orienter vers le chemin de la vérité. Ce verset, subhanallah, si on l'associe à un autre verset, Allah nous dit « Inna Allah yahdi man yasha » Allah guide celui qui veut être guidé. Alors choisis une seule voie. Soit la voie de la guidance, soit la voie de la désobéissance, soit la voie de la réforme, de l'ancrage de la foi, d'une foi ferme et solide, soit on va vers l'aveuglement, vers le détournement, vers les péchés, et là, personne ne pourra nous récupérer. C'est un choix qu'on fait de manière individuelle. Mais Allah guide vers ses signes que celui qui veut être guidé. Donc vous voyez, subhanallah, Allah il nous dit, réfléchissez. Chaque vendredi, vous êtes en train de lire Sourate Al-Kahf. Et je vous ai dit, je suis capable de toute chose. Eh bien aujourd'hui, ancrez votre foi, stabilisez votre foi, renforcez-la de manière communautaire, et je répète, l'union fait la force. On se réunit pour s'unir chaque jour, c'est à 15h qu'il y a le live. On ne consomme pas des lives, on se renforce à travers les lives, on renforce notre intention, on raffermit notre foi, on accompagne aussi nos frères et nos sœurs, d'accord, que ça soit un rappel qui profite à tout le monde. Et Allah Azzawajal nous dit que celui qu'Allah guide faire ses signes, eh bien, subhanallah, il y verra plus clair, la rahma d'Allah descendra sur lui. Et Allah Azzawajal t'apportera toujours son aide pour que tu puisses t'appuyer et rester attaché à la corde d'Allah. Allah nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Et tenez la corde d'Allah de manière solide et ferme et ne vous divisez pas. Dans nos foyers, on ne cherche pas la division, on cherche l'union. Développer une stratégie pour s'unir, se réunir et rester ensemble. Il n'y a que en restant ensemble qu'on reste une force. Et je répète le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, « Yadullahi ma'al jama'a » La force d'Allah est avec le groupe. La semaine prochaine, Inch'Allah, puisque c'est chaque vendredi Sourate Al-Kahf, on étudiera ensemble à partir du verset 18 « وَتَحْسَبُمْ أَيْقَاذًا وَهُمْ رُقُودٍ » Et tu penserais qu'ils sont réveillés, « وَهُمْ رُقُودٍ » alors qu'ils sont en train de dormir parce qu'ils avaient les yeux ouverts, subhanallah. Eh bien, j'espère qu'on gardera les yeux ouverts, nous aussi, et qu'on soit toujours réveillés. Et non pas endormi dans ce confinement, dans cette épreuve, de garder espoir. Il y a toujours une rahma, même dans l'épreuve, la difficulté. Allah Azza wa Jal veut qu'on soit les meilleurs, d'accord, face à l'épreuve. J'espère que j'ai pu apporter certains éléments, toujours liés au confinement.
Rester connecté chaque jour à Allah Azza wa Jal, rester en lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que ces lives seront une rahma, un appui pour moi, la première, subhanallah, c'est vraiment un rappel, un grand rappel pour moi avant tout. Et puis j'espère vous faire bénéficier des enseignements de Sourate Al-Kahf, des enseignements également de Sourate Al-Fatiha. Inch'Allah aussi, on va développer d'autres thématiques, la prière notamment. Et bi'idhnillah, si vous avez des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur, on essaiera de les traiter ensemble. Alors, vous allez me dire peut-être, Inch'Allah, on est bien dans ce confinement. Alhamdulillah, tant mieux si on peut faire une pierre deux coups. Et retenez une chose. Chacun est unique et merveilleux, et Allah Azza wa Jal est merveilleux et il est magnifique. Et il nous veut que le khair. Soyons optimistes, soyons justes dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées aussi, d'être juste vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de se dire qu'Allah il est magnifique. Et il ne lâchera pas ses serviteurs, il n'a pas lâché Ashab al-Kahf, les gens de cette caverne, subhanallah, même s'ils sont restés 300 ans, Allah a vraiment pris soin d'eux et Allah est en train de véritablement prendre soin de nous. Astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.